Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, bah oui, ça peut pas être une ancienne. Elle a rien de con cette phrase, je sais pas, c'est toujours la même chose. Bon, sinon j'espère que vous allez tous bien, hein. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer mes créations du mois de mai. Mais oui, le mois de mai. Alors je pensais qu'au mois de mai j'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit parce qu'il y avait énormément de choses. Il y a eu beaucoup... Bah j'ai eu mon anniversaire. Ça y est, j'ai pris un an de plus. C'est nul. J'ai pas envie. J'ai envie de rajeunir maintenant. On s'en fout. Il y a eu le baptême de ma petite nièce. Il y a des amis à nous qui ont déménagé. Il y a d'autres amis à nous qui se sont mariés. Bref, au mois de mai, c'était vraiment très corsé. Je pensais que j'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit au niveau création. Eh bien, c'était tout le contraire. J'ai fait un tas de choses. Énormément de choses. Donc, je vais pas faire trop de blabla parce que sinon, la vidéo va être interminable et je ne veux plus faire des vidéos longues. Je sais pas faire le contraire. Enfin, j'apprenne à faire des vidéos plus courtes. C'est dur. Bon, sinon, oui, alors pour... je sais plus. Donc, comme je l'ai dit, j'ai eu le baptême de ma petite nièce. Et au lieu d'acheter une petite carte toute faite, et ben, j'ai préféré aller la faire moi-même. Tout simplement. J'ai vraiment fait tout simplement. Voilà, j'ai pas... De toute façon, j'ai pas de matos pour faire des super cartes. Donc, j'ai fait tout simple. Et puis, ben voilà. Moi, je l'aime bien comme ça. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé. En tout cas, ma belle-sœur était très contente. Donc c'est le principal. Et d'ailleurs, je relance le sujet parce que j'avais lancé ça il y a quand même pas mal de temps. J'ai jamais arrêté le concept, mais c'est vrai que j'en reparle jamais de ça. Mais si vous voulez que je vous envoie des petites cartes dans ce style-là, bah faites-le moi savoir, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi un mail avec votre adresse postale et puis la couleur de votre choix. Et je vous ferai une petite carte. Je demande rien en retour. Vous n'êtes même pas obligé de me répondre. Il y en a qui le font, c'est super gentil, ça touche énormément. Mais c'est, je demande rien. Rien, c'est gratuit. C'est, je vous donne une petite carte, tout simplement. Parce que je trouve que par vidéo, c'est bien, mais c'est virtuel. Alors que si je vous offre une petite carte avec un petit mot écrit à la main, et ben ça devient un peu plus réel. Donc bref, voilà. Si jamais vous voulez une petite carte faite par mes petites mimines en toute simplicité... Sur le thème des papillons, parce que j'ai que ça, j'ai que des papillons. Ouais. Dites-moi juste, voilà, vous m'envoyez votre adresse mail, non, votre adresse postale par mail, et la couleur de votre choix, et j'essaierai de faire ça correctement. Voilà. Sinon, c'est parti, hein, on commence tout de suite. Donc, le mois dernier, j'avais triché, je vous avais déjà montré des créations du mois de mai, mais c'est parce qu'au mois d'avril, j'avais rien foutu du tout, mais rien du tout. En même temps, j'avais mon vide-grenier qui était sur Facebook, qui est terminé maintenant. On n'a pas pu. Je l'ai toujours pas fait, mais je suis toujours en train de mettre ma boutique à jour. Là, j'ai commencé à tout bien préparer. Donc là ce mois-ci, mois de juin, si j'y trouve du temps, parce que c'est pareil, il y a plein d'anniversaires. Hein. Mes filles, elles sont toutes les deux au mois de juin. Mon chéri, bah, c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc voilà, ce mois de juin, il va être compliqué aussi. Donc j'espère que je vais trouver un petit peu de temps pour mettre ma boutique à jour. Ça, c'est à chaque fois, je suis obligée de reculer encore et encore. J'y arriverai jamais à la faire, c'est dingue. Alors bon, bref, oui, alors du coup, que je reprenne. Le mois dernier, je vous avais déjà montré des créations de mois de mai parce que moi d'abord j'avais rien foutu du tout. Donc là, je voulais vous les blibla. T'as tout compris, t'es trop fort. Je vais vous les remontrer très rapidement parce que ça sert à rien de refaire ça parce que je vous ai déjà montré le mois dernier. T'as compris? Et mais putain, je sais pas comment vous faites pour comprendre ce que je dis. Hein. Avec mes belles fautes de français, et à chaque fois je me rends compte une fois que je fais le montage vidéo, parce qu'en fait je parle tellement blablabla que je fais même pas attention à ce que je dis des grosses conneries par moment, mais c'est hallucinant. Et c'est un miracle que personne ne m'ait jamais repris là-dessus. Ça m'étonne quoi, franchement, les énormes fautes de français que je fais, c'est. Oh, ça fait peur, mais je me rends compte trop tard une fois que je fais la vidéo, le montage. Je suis à moitié blonde, hein. Faut pas m'en vouloir. Je sais pas quelle heure je vous avais montré le mois dernier, mais c'est pas grave, on s'en fout. Allez, c'est parti. Donc, premièrement, j'ai ce petit bijou de foulard, tout en bronze, avec une petite fée. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour moi, j'avais réalisé ce petit collier-là, justement, que c'était pour le baptême de ma petite nièce. Voilà, j'ai fait ce petit collier-là dans son plus simple appareil, on s'en chichi. Voilà. Toujours pour ma poire, j'avais fait ce petit bijou de sac à main parce que l'autre que j'avais, ma fille me l'avait cassé, piqué. Elle me l'avait d'abord piqué, puis après elle me l'avait cassé. Saloperie de gosse.
Donc voilà, j'ai laissé ce petit bijou là. Ensuite, j'avais fait cette tête de mort phosphorescente qui brille dans la nuit. Je sais pas si vous en vous avez remarqué, mais je fais énormément de bijoux phosphorescents en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ensuite, j'avais fait ce petit dragon que je vous ai fait en tuto. La petite tête de dragon. Ensuite, petit stitch que je vous avais aussi également fait. Oula, attends, qu'est-ce que je dis comme connerie? Que je vous avais également fait en tuto. Je vais y arriver. Donc voilà, petit stitch. Ensuite, j'avais fait cette petite fée avec les ailes en résine qui s'était endormie sur la lune. Et encore une petite fée, toujours rose. Pourtant, je déteste le rose, hein. Va comprendre, je sais pas. Voilà, on s'en fout, bref. La petite fée du printemps parce qu'elle a des ailes en forme de feuilles et sa jupe est en forme de pétale. Voilà. Ensuite, pour ma fille, pour une de mes filles, la plus petite, j'avais réalisé cette plaque de porte avec son prénom dessus et la fée clochette, bien évidemment. Et à l'origine, je voulais pas faire de plaque pour la plus grande parce qu'elle va prendre 12 ans et je me suis dit qu'à 12 ans, voilà, ce genre de choses, ça intéresse plus. Et finalement, elle dit, mais si j'en veux un aussi, moi, avec une petite fée couleur pêche. Elle adore la couleur pêche. Donc du coup, bah voilà, j'ai fait celui-là pour la deuxième, pour la plus grande. Voilà, ça, elles ont toutes les deux leur plaque de porte. Et toujours pour elle, je leur ai fait ces deux petites bagues plumes, non, 12 ans quoi, voilà, il n'y a pas de chichi. Avec des bagues pour enfants que j'ai achetées sur la boutique Eliclay ou Underland, j'adore. J'en ai encore quelques-unes, petites bagues comme ça, donc je vais pouvoir faire d'autres bagues pour enfants. Je trouve ça super sympa. Donc voilà. Donc maintenant, on passe aux nouvelles créations. Celles que vous n'avez pas encore vues, donc du moins, sauf si vous me suivez sur Facebook et Instagram, puisque dans ce cas-là, vous avez quasiment tout vu. Enfin non, presque. Pas vraiment. Enfin bref, voilà, on s'en fout. Donc, j'ai modifié... Toi, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'elle est tombée. J'ai modifié trois anciens colliers que je n'aimais pas. J'aimais plus. En collier, ça me plaît plus du tout. Donc du coup, je les ai modifiés. Je les ai modifiés en marque-page. Donc ça, c'est un grimoire que je vous avais fait en tuto il y a très longtemps sur ma seconde chaîne YouTube. Oui, alors, parce que je le précise jamais, mais j'ai, pour ceux qui le savent peut-être pas, j'en sais rien, j'ai une seconde chaîne YouTube qui est dédiée que aux tutos. Il n'y a que ça, que des tutos, que des tutos, que des tutos. Il n'y a que des tutos. Donc voilà, sur ma seconde chaîne, j'avais réalisé ce petit grimoire. Et parce que si vous vous demandez où est-ce que passent tous les tutos, et ben, ils sont sur la deuxième chaîne. Voilà. Ensuite, l'autre collier que j'avais démonté pour en faire un porte-clés cette fois-ci, c'est celui-là. C'était une fiole remplie de pierres turquoise. Que voilà, j'ai mis en porte-clés. Et là, l'autre porte-clés, pareil, un ancien collier. Enfin non, ce collier-là, il n'est pas si vieux que ça. Peut-être que vous allez même vous en souvenir, j'en sais rien. C'était un coquillage en résine. Enfin, un vrai coquillage avec de la résine à l'intérieur. C'était un collier, mais je ne l'aimais pas trop, pas spécialement. Donc du coup, j'ai modifié un porte-clés. Voilà, ça c'est des vieilles créations que j'ai modifiées. Enfin, j'ai modifié le montage du moins. Ensuite, un petit bijou pour les sacs à main. Tout en vert, avec un joli petit papillon sur un capuchon. Voilà, un petit bijou de sac à main. Mon petit papillon vert. Voilà, c'est bling bling. Thank you.
Clink, clink. Un autre petit bijou pour les sacs à main, et cette fois-ci c'est une étoile filante. Je l'ai appelée comme ça parce qu'en fait il y a plein d'étoiles, et puis il y a du noir comme le ciel en pleine nuit. Nuit noire, des étoiles, l'eau. Allez hop, étoile filante. C'est pas très recherché comme intitulé, hein, mais bon, voilà. Ça fonctionne, non? Oui, allez. Et donc pour faire la petite bouboule, en fait j'ai utilisé les restes de pâte d'une création que vous allez voir juste après. Je sais pas, pareil, je sais plus si vous en souvenez de cette époque là où je faisais plein de petites bouboules. J'adorais faire des petites bouboules en fimo, en polymère. Donc voilà, j'ai voulu refaire ça. On s'en fout. Donc bref, ça c'est la petite bouboule, je l'ai fait avec le reste de pâte d'une création que vous allez voir juste après. Et en parlant de ça justement, et bah c'est cette petite bague aussi qui fait partie de... du reste de pâte de la bouboule. Voilà, une petite bague comme ça. Tout simplement, mais je trouve qu'elle en jette un max. C'est classe quoi, ça, moi j'aime bien. Encore une petite bague phosphorescente aussi. Et il s'agit de Mr. Jack, juste sa tronche. Voilà, j'ai fait une petite bague Mr. Jack qui brille dans la nuit. C'est plus rigolo. Voilà. Ensuite j'ai réalisé, là il n'y a pas de polymère, il n'y a rien du tout. Que de... Voilà, on s'en fout. J'ai ce petit collier attrape-rêve demi-lune, croissant de lune. Voilà. C'est pareil, c'est tout simple, mais je trouve que ça fait classe, quoi. Ça en jette bien. Tout en blanc et argent. Moi j'aime bien. Donc voilà la création en question dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les restes de pâte avec lesquels j'ai fait la petite boule. Et bah c'est tout simplement ce petit pendentif là. C'est un effet craquelé avec de la feuille d'argent et des ongles pinata. Tout simplement. Et à l'arrière, j'ai fait un effet cuir. Voilà. Encore un petit bijou tout simple. C'est un effet jean avec un papillon dessus. Moi j'aime bien. C'est tout simple, j'adore. Là c'est pour un radeau. Moi j'aime bien quand c'est tout simple. Et ensuite, les bijoux qui vont suivre, ils font tous partie de la même collection. J'ai l'impression de jouer au golf là. Donc j'ai réalisé énormément de créations sur le thème trop bien. En gros, c'est des bijoux qui sont très printaniers, très vitaminés, très colorés, très peps, très paf, qui pètent à la gueule quoi. Et pour ça, pour tous ces petits bijoux là, oui, que je dise pas de conneries, j'ai utilisé la technique de l'effet céramique. Voilà, en mélangeant quelques autres petites choses après. Mais ça, vous allez voir au fur et à mesure. Voilà. Donc, le tout premier collier que j'ai réalisé, et ben, c'est un peu comme l'effet craquelé que je vous ai montré juste avant, là. Et c'est ce petit pendentif-là. Ben, toujours avec l'effet cuir et l'effet céramique. Avec l'imprimé, j'ai bugué, excusez-moi, avec l'imprimé printanier. Mais sauf qu'il se voit pas énormément sur celui-là. On voit un petit peu, mais à mon avis, la caméra... comme à la photo, c'est comme sur les photos, ça va pas du tout ressortir quoi, c'est dommage. À l'œil nu, on le voit quand même. Ensuite, le bijou qui est sorti en second, c'est celui-là, c'est un petit sautoir. Voilà. Avec les petites boucles d'oreilles assorties, tant qu'à faire, c'est mieux. Enfin, après, les boucles d'oreilles sont assorties à tous les colliers que vous allez voir finalement. Tout va quasiment tout ensemble. Voilà. Ensuite j'ai ce petit collier aussi un peu raz-de-cou, un peu plus long qu'un raz-de-cou. Donc voilà. Selon Wikipédia, un collier raz-de-cou est un collier se plaçant à la base du cou et dont la longueur est de 36 à 40 cm.
invierno. Foutu les jetons. Google Home. Merci, c'est trop gentil. Bon bref, donc du coup voilà, c'est ce petit collier avec l'effet céramique et sur les côtés j'ai fait un petit dégradé. Voilà. Le collier suivant, c'est un col Claudine avec d'un côté l'effet céramique et de l'autre le silk screen. Et là pour changer, j'ai mis un fermoir toggle mais sur le côté. Je trouvais que ça plus rigolo comme ça. En plus ça habille beaucoup. Je trouve ça sympa. Même si moi personnellement je suis pas du tout fan des fermoirs toggle. Je trouve que ça tient pas du tout. J'ai perdu je sais pas combien de colliers avec ces fermoirs là. Moi personnellement j'aime pas du tout. Ça tient pas. En tout cas je sais pas, ça tient pas. Mais j'avoue que c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Hein. Et le collier suivant, c'est un petit plastron comme ça, donc toujours avec l'effet céramique et que j'ai mixé avec un Hidden Magic. Voilà. Et encore une fois, j'ai mis un fermoir toggle sur le côté. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Et puis voilà. Ensuite le suivant, bah, c'est toujours pareil, l'effet céramique, ambiance tropicale, très printanier, très vitaminé, très peps, très coloré. Sauf que là il est seulement bicolore, comparé aux autres qui étaient beaucoup plus colorés. Voilà. Et le suivant, c'est dans les mêmes tons de couleur. Cette fois-ci c'est plus un rat. Avec des petites plumes en bas parce que je trouvais ça plus mignon, plus rigolo. Puis en plus ça fait cling cling encore une fois. J'aime bien quand ça fait cling cling. Tout à l'heure mes boudonnets font bling bling, c'est rigolo. Elle a rien de con. Ensuite le bijou suivant, et bah c'est toujours pareil, c'est encore. Et boum, ça fait les choux clapiques. Le collier suivant c'est pareil, c'est un rat de cou et cette fois-ci j'ai modifié les couleurs. Je voulais des couleurs un peu moins naturelles, mais que je trouve tout aussi mignon, tout aussi sympathique. Donc voilà, avec des petites plumes au bout. Ça sympa. Et celui-là pour aller avec, eh bien il y a la petite bague. Voilà. Ensuite les colliers suivants. J'ai remarqué que ça plaisait énormément, donc du coup j'en ai fait 3 carrément. Et il s'agit de Mademoiselle Poppy, tout simplement, voilà. Donc voilà, j'en ai refait 3. Beaucoup plus petits que celles que j'avais fait la dernière fois, que je vous ai fait en tuto, qui arrivera très prochainement, logiquement, ça va pas tarder maintenant. Excusez-moi, je suis en retard dans mes tutos, moi. Mais ça arrive, ça arrive. Bon bref, voilà, j'en ai fait 3 autres petites Poppy. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça fait combien de fois là qu'en tout j'ai dit une fois là dans cette vidéo? Un truc de dingue. Ensuite, on passe à mes petites chibis. Je sais pas si je peux appeler ça des chibis. Des petites... des mademoiselles, voilà. Et donc j'ai réalisé ce petit ange d'ange tombé du ciel qui est posé sur une croix. Là j'ai fait ce petit ange. Pour changer parce que je fais beaucoup de fées, beaucoup de sirènes et tout comme ça. Et là bah, je me suis rendu compte que j'avais encore jamais fait d'ange.
Donc voilà. Voilà, voilà. J'ai fait un petit ange pour la première fois. Alors j'ai galéré à faire ses ailes. Oh, je me suis amusée à compter toutes les plumes qu'il y a sur ses ailes. Mais je me suis rendue du nombre. Je sais qu'il y en a une centaine. Je crois que c'est 98, il me semble. Si je dis pas de conneries. 98 petites ailes. C'est un truc de dingue. Ensuite, j'ai réalisé une petite fête de l'automne. Bah oui, on est au printemps, donc pourquoi pas faire quelque chose sur l'automne, hein? Oui, j'ai dit l'automne parce qu'en fait, c'est les couleurs qui me font penser à l'automne. Après, voilà, on entend ce qu'on veut. Voilà, c'est une petite fée qui est posée sur une feuille en bronze. Voilà. Toujours avec mes petites feuilles, non, mes fleurs lucides sur la chaîne, hein, bien évidemment. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, c'est une petite sirène sur une clé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est une petite sirène sur une clé. C'est tout. Mademoiselle, et ben c'est encore une petite sirène tout en bleu. Voilà, c'est cliché. Ouais, c'est la sirène, c'est la mer, donc elle est bleue, n'importe quoi. Mais je trouve que ça va bien avec, donc voilà. Bref, on s'en fout. Donc là, c'est une petite sirène qui est posée sur une un connecteur chandelier. Je crois que c'est, si je dis pas de conneries, donc c'est comme ça qu'on dit. Bref, et du coup, j'en ai profité en dessous de la petite sirène, et ben j'ai mis plein de gling gling. Des petites fleurs lucides, des petites perles et des petites breloques. Voilà, comme ça, ça fait bien le chandelier, quoi. Voilà. Et toujours les petites fleurs lucides aussi sur la chaîne. Et j'étais emmêlée. Donc voilà. Maintenant, on passe à la dernière collection de bijoux. Je vous avais parlé aussi le mois dernier que j'ai dit que j'aimerais énormément m'améliorer dans tout ce qui est animaux. Parce que les animaux, même si c'est une grande histoire d'amour, je ressors le même speech. Pour ma part, c'est hyper compliqué à faire en polymère. Mais j'ai galéré. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4. 4, j'ai fait 4 petites bêtes. Mes 4 animaux entre guillemets préférés. Enfin, c'est comment dire, je sais pas. On s'en fout, on dit pas. Et ouais, j'ai énormément galéré à faire ces petites bêtes là. Alors ne me demandez pas de tuto pour le moment parce que je suis pas encore assez au point pour faire de tuto. Je galère déjà énormément. Si en plus de ça je peux faire un tuto, je vais jamais m'en sortir. Laissez-moi le temps de m'adapter et après peut-être que j'arriverai à vous faire des tutos là-dessus. Mais pour l'instant c'est trop compliqué. Je peux pas. C'est trop compliqué. Je me répète, je sais. Et ouais, donc du coup, oui, je veux vraiment m'améliorer dans ce domaine-là, dans les animaux, parce que moi j'adore ça et je veux en faire. Mais j'y arrive pas. Il faut que je m'exerce encore et encore et encore. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et pour vous dire, attends, à quel point c'est compliqué, c'est quand après j'ai fait mes petites fées, ça m'a paru d'une facilité déconcertante. Mais oh, je vous jure que d'avoir fait les animaux et après mes petites fées, c'était comme claquer dans les doigts, c'était trop simple à faire mes petites fées. Alors que Dieu seul sait à quel point c'est compliqué. Hein. C'est dur aussi à faire les petits personnages. Hein. Mais c'est beaucoup plus simple que des animaux. En tout cas pour ma part. Bon bref, allez. Je vous montre le tout premier que j'ai fait. Oui, dans les animaux, c'est le tout premier que j'ai fait. Et c'est ce petit éléphant. Donc j'essaye pareil de faire les animaux les plus ressemblants possibles. Parce que tout ce qui est kawaii, j'aime pas du tout. J'ai horreur de ça. Donc voilà, j'essaye de faire le plus réaliste possible, même si c'est une galère. Voilà, bref. Donc en premier, voilà, j'ai réalisé ce petit éléphant. Le deuxième, ou devrais-je dire plutôt les deuxièmes, parce qu'il y en a deux qui sont parés. J'ai réalisé des petits chats. Mais pour l'instant, je fais que la tête, hein. Le corps il suivra plus tard. Mais pour l'instant, je fais que les visages des animaux. Et là, j'ai réalisé deux petits chats. J'adore les petits chats. Et il y en a un qui ressemble à ma pitchoune.
un petit chat noir. Bon bref, voilà. Et ils sont pas encore au point. Hein. Les chats, ils ont plein de défauts. La tête d'un chat, c'est dingue, tous les... Oh non, c'est super dur à faire, quoi. Voilà, j'ai un petit chat noir et un petit chat gris. Gris tigré. Voilà. Ensuite, le troisième que j'ai fait, et ben c'est un petit cerf. En fait, j'adore les animaux majestueux qui envoient du lourd, quoi. Les éléphants, les cerfs, voilà, tout ça, j'adore ça. Alors après, j'en ai encore plein d'autres à faire. Là, j'en ai fait que 4 pour le moment. Les autres, ils viendront après. Bref, donc voilà, j'ai fait ce petit cerf. Ou renne. C'est un cerf ou un renne? Honnêtement, j'ai jamais su faire la différence. Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, ça serait génial, quoi. Ok. J'ai failli le faire tomber. J'ai eu peur. Non, ouais, dis-moi si... C'est quoi? J'ai fait quoi? La vie est complètement conche. Je sais pas si j'ai fait un cerf ou un renne. Bah, pour moi, les rennes, en fait, c'est le traîneau du Père Noël, donc c'est en hiver. Enfin, ça vit dans les pays froids, alors qu'un cerf c'est dans les pays comme chez nous. Bah, ouais, j'en ai un là au-dessus de la forêt. Dans la forêt. Je vais y arriver, au secours. Enfin, c'est quand c'était il y a 2 ans que je l'ai vu. Après, j'en ai jamais revu. J'ai vu un cerf et des biches. Oh, je vous jure, ce jour-là, j'étais aux anges. Oh la vache, ils ont même pas peur de nous. Ils étaient quoi, à 4 ou 5 mètres, alors que j'avais le chien juste à côté de moi, quoi. Ils sont partis tranquilles. Ah, c'était un truc de dingue. Et puis c'était quand? Bah là c'était au mois de mai aussi. J'ai eu la chance de croiser un petit renard. En plein dans la journée. Pour moi c'est un exploit dans la journée. Ça vit que la nuit le renard pour moi. Oh je vous jure j'étais aux anges. Mais j'étais aux anges. Oh un truc de dingue, un renard quoi. T'es sérieux? J'étais trop fan. Bon allez, estompe. Et la dernière création, je vous avais montré le mois dernier que j'avais essayé de faire un lion. Donc là c'est le dernier que j'ai fait parce que j'avais tellement galéré à faire celui que je vous avais montré le mois dernier là. Que voilà, je voulais pas faire le lion, je voulais garder le lion en dernier. Le meilleur voilà. J'avais tellement galéré à faire le premier lion et je vous avais posé plein de questions parce que j'étais pas du tout sûre de moi. Et j'ai pris en compte tous vos commentaires. Déjà, merci énormément pour celles qui m'ont répondu, ça fait énormément plaisir. Donc j'ai essayé de le refaire en écoutant vos conseils. Alors il a encore quelques défauts, je trouve qu'il a pas assez de crinière et je trouve que ses yeux sont trop enfoncés. Mais je trouve quand même qu'il est beaucoup mieux que le premier que je vous avais montré. Alors vous, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois, n'hésitez pas. Ça fait tellement plaisir et puis ça m'aide en plus à m'améliorer. Donc franchement n'hésitez pas. Voilà, donc j'ai refait un petit lion et celui-là je le trouve vraiment beaucoup plus sympathique. Et pareil que pour le premier, du coup le premier je l'ai effacé, mais celui-ci je vous l'ai fait en tuto. Donc à mon avis ça sera plutôt un speed modeling, vu la durée de la vidéo, j'ai passé je sais pas combien d'heures là-dessus, je vous raconte même pas. Bref, voilà ce petit lion. Je le trouve beaucoup plus réaliste. Il a encore des défauts, mais je le trouve beaucoup mieux que le premier que j'avais fait. Alors peut-être que d'ici à ce que je fasse un troisième, il sera encore plus parfait. C'est bien français ça aussi, dis donc. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais bref, voilà. Là pour l'instant, j'ai fait ce petit lion là. Que j'aime. Oui, je l'aime bien. Il a des défauts comme toutes les créations que je vous ai montrées. Hein. Mais je l'aime bien. Voilà. Et j'en ai fini avec cette vidéo qui, encore une fois, j'ai fait trop de blabla. Je raconte trop ma life quoi. C'est hallucinant. Faut que j'arrive à la fermer. Hein. Mais bref, voilà. Je vous ai montré toutes les créations que j'ai fait au mois de mai. J'ai pas chômé, hein, l'air de rien. Je vais essayer de ralentir au mois de juin, mais j'ai encore tellement d'idées. Je veux faire encore tellement d'autres animaux que, à mon avis, je vais encore avoir pas mal de créations si j'arrive à tous les faire. On verra bien. Bon, bref, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce sera avec grand plaisir, même si je suis très en retard. Hein, je le ferai quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'adore ça. Donc, ouais, voilà. N'hésitez pas à me le faire savoir. Ça sera avec plus grand plaisir. Pareil, si vous voulez une petite carte faite par mes mimines en toute simplicité, avec plein de fautes d'orthographe, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Enfin, les mails, j'ai un peu de mal parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des mails mais que je n'ai jamais reçu. Donc, les boîtes mail, pour moi, c'est de la merde. Je suis pas très. Non. Donc, par Facebook ou par Instagram, ça sera peut-être même plus simple, moi, je dirais. Enfin, bref, faites comme vous pouvez. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos dans tous les cas. Donc, voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire.
J'ai fait tout le tour. Je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. Enfin, tout dit, non, parce que si je devais tout vous dire, ça serait interminable. Mais voilà, je vous ai dit l'essentiel. Et puis c'est tout. On coupe court, hein? Voilà. Voilà. Voilà, voilà, bah voilà. Alors voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Dis, chante. S'en fout. Ça doit pas être quelqu'un que j'apprécie forcément. Allez, bon, allez, plein de gros poutous. Et je vous dis très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.